Je pense que euh, les années vraiment autour de, euh, de la deuxième moitié du quatre, euh, des années 80 sont très importantes parce qu'elles sont en train de définir qu peut dire, mon parcours. Je dirais euh, très bien, euh, très fortement intéressé pour l'ethnopsychiatrie. Le, et avec l'idée vraiment d'aller faire un, un doctorat un en ethnopsychiatrie à Paris, et, et, et aussi euh, cet engagement politique très fort qui venait justement dans la connaissance et dans la lecture des De Martino, et, et, et qui euh, regardait euh, avec un angle complètement politique et grammachien, la maladie mentale donc je dirais ces figures qui vont des basailles avec la loi à 79 qui passe pour la euh, pour euh, fermer pour, euh, à toujours euh, à toujours à jamais à jamais les euh, à jamais les hôpitaux psychiatriques là euh, de plus en plus la connaissance des foucault aussi avec mes voyages souvent à paris et je dirais aussi De Martino et Gramsci, on commence, comment on peut dire, à me faire comprendre que mon intérêt serait vraiment pour regarder la souffrance et la maladie mentale, encore, mais surtout la souffrance des individus très, très liés aux, disons, à une lecture politique de la société. C'était encore cette idée, vraiment, et j'ai pensé toujours, ça j'ai vu que c'est encore quelque chose qui m'a toujours euh, euh, amené à voir les contradictions de la société occidentale, surtout. Donc c'était, ça c'est très de, de Martino. Encore, je vous rappelle cette chose, parce qu'après, a fait partie aussi des mondes, euh, disons des mondes d'autorat après anthropologie et c'était vraiment la euh, la lecture qu'il faut euh, aller dans des sociétés <coughs> des sociétés marginalisées, mais à l'intérieur d'une société occidentale, hein, plutôt qu'aller à chercher, qu veut dire l'étrangeté ailleurs. Alors donc c'est et, et, et de Martino a appelé justement les Indias de Poraca, en pensant vraiment à comment les jésuites allaient les à évangéliser dehors de l'Italie mais ils ont fait aussi des parcours d'évangélisation à l'intérieur de l'Italie justement parce qu'il y avait cette société qui était la société paysanne et qui était qui avait des rituels païens et chrétiens très mélangés donc il y avait tout aussi une attention de l'église catholique vers cette euh, société de l'Italie du Sud qui donnait des problèmes. Les prêtres aussi, les sorciers faisaient partie, disons, de l'histoire d'un village. Et, et, mais là, il y avait justement une lecture politique très forte résistance. Nouvelle. Et, et comme dire, lecture d'une identité alternative, pas seulement subalterne, mais qui pouvait vraiment changer. Donc, c'est la lecture de Gramsci, euh, appliquée vraiment à une lecture ethnologique, anthropologique. Dans ma, dans, je dirais que dans mon parcours personnel, et, et avoir des liens très très forts d'amitié. Je dirais surtout euh, avec euh, Gilles et Hélène ici à Montréal, András Szemplényi et Toby et jean Fravesada à, à, à Paris. Ils m'amènent de plus en plus à m'interroger euh, sur comment je voulais, comment dire, vivre euh, ma profession. Elle devait être plus sur le côté, euh, disons, d'une euh, psychopathologie d'une... vraiment terminer mon training de psychanalyse qui est continué, or aller vers l'anthropologie. Ça, vraiment, j'ai eu deux ou trois ans d'une inter, interrogation très, très forte. Entre autres, j'ai continué à être euh, euh, très lié à ces groupes de psychiatrie, mais j'ai commencé à travailler à l'Université de Rome, dans le département d'anthropologie. Bien sûr, dans les créneaux, ethnopsychiatrie et anthropologie médicale, mais donc j'avais toujours la même, je dirais presque la même formation, pas beaucoup sur l'anthropologie médicale encore, mais disons cet euh, euh, moment de de l'ethnopsychiatrie qu'il va dialoguer avec l'anthropologie médicale. On le voit très bien, on le voit très bien ici au Québec, mais et, mais donc j'ai travaillé sur les deux côtés hein, de, de, de la de la ville de Rome, et j'ai continué à m'interroger si je voulais aller vers un créneau plutôt que vers l'autre créneau. Donc, ça a joué beaucoup pendant 3-4 ans, et pendant ces 3-4 ans, donc la deuxième partie des années 80, j'ai eu trois expériences, je dirais, majeures. Une expérience majeure, c'est un colloque où j'étais invité par Hélène Corrène et qui a donné après. À une publication qui s'appellera justement Regarde, anthropologique en psychiatrie OK et ça c'est très important la euh, la revue qui s'appelait culture et santé gérée par Gilles Bibot et par les groupes de Jiram qu'il me demandera après de faire quelque chose mais un peu plus tard et et, et après une un exercice des bonnes volontés, mais qui m'a donné très très important. Les gens ne connaissaient pas en Italie énormément l'ethnopsychiatrie, ethno, l'ethnopsychanalyse. Donc j'ai traduit ces livres très connu, qui était La folie des autres, de Toby Nathan. Je l'ai traduit en italien. J'ai fait une préface de 40 pages où j'ai fait vraiment les tableaux de toutes disons les différentes approches qui existaient entre l'anthropologie médicale et l'ethnopsychiatrie dans les mondes. Alors c'était vraiment de mettre ensemble et de mettre aussi euh, d'ajouter un créneau qui était italienne et qui a commencé à dire voilà, on euh, on prendre de certaines, disons, visions de l'anthropologie française, on prend aussi de l'anthropologie ici, de, du Québec surtout, et, mais on continue à, à introduire et aussi l'anthropologie et l'ethnopsychiatrie à l'italienne. Donc, comme je dis toujours, Basaglia, De Martino, et, et il y avait d'autres, il y avait d'autres psychanalystes et psychiatres. Il y avait une qui s'appelait Giovanni Gervis, qui a travaillé avec Des Martino, quand Des Martino a mené sa grande recherche qui après a créé aussi ce très fameux film qui s'appelle La Terre du Remords, un grand livre qui s'appelle La Terre du Remords et qui était traduit par Gallimard. Donc Gallimard a traduit tous les livres euh, pas Gallimard, mais disons les Français ont traduit la majorité des livres de Des Martino. Donc, c'était très connu aussi en France. Et donc, je dirais qu'il y a ce réseau qui est fait euh, des collaborations, des premières euh, publications euh, tous ensemble et puis des rencontres. Et c'est là que Gilles Bibeau m'invite euh, comme professeur euh, euh, visiting professor, professeur visiteur à l'Université de Montréal, et c'était en 87. Et donc, je viens en 87. À faire un cours à l'Université de Montréal. Et évidemment, c'était surtout un cours que, sur des Martino et sur l'anthropologie. Mais pendant que je disais l'anthropologie, l'ethnopsychiatrie, et pendant que j'étais déjà en carrière à l'Université de Rome, je m'interrogeais, je n'aimais pas que tous les anthropologues à Rome, parce qu'ils n'avaient pas eu un doctorat en anthropologie, et pas, euh, il n'avait pas de doctorat en anthropologie. Donc il enseignait l'anthropologie, mais il venait dans différentes disciplines. Et moi je disais non, je vais être quelqu'un qui a pris la décision de choisir l'anthropologie elle hein, doit avoir un doctorat en anthropologie. Donc pas seulement. Alors, la philosophie, pas seulement la psychologie, mais là, j'en commence à dire OK, je m'en vais. Et c'était très compliqué de choisir un directeur qui n'est pas un ami, disons, parce qu'il est dans le monde de l'anthropologie médicale. Et là, j'ai fait un très bon choix, parce qu'on a eu un très bon rapport. Donc, euh, j'ai rencontré Marc Auger, et j'ai dit à Marc, que je voudrais, je commence à faire. Une, euh, je suis en train de faire une, une enquête dans le sud d'Italie, une enquête qui est euh, vraiment anthropologique, et je voudrais travailler avec vous, euh, disons, sur ces terrains, sur mon premier terrain. À la fin, je dirais un terrain qui me rappelait beaucoup les terrains de, de, de Jean Favre Sada. Donc, un terrain vrai. Donc, j'ai pris mes bagages et j'ai vécu pendant presque deux ans, mais à 200 kilomètres de Naples. Ce n'était pas beaucoup, c'était un peu comme les bocages de Jean-Fabrice Adam. Moi, j'étais à Lesagno, San Marco de Cavotti, Lesagno, et, et, et travaillais sur des problématiques plus anthropologiques. Donc, disons que pendant que j'ai traduit. La folie des autres, donc je suis encore sous les créneaux de l'ethnopsychiatrie. J'ai déjà choisi, à travers ces terrains de recherche que je commence à faire dans l'Essagne, de, 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 de la Campanie, et dans un, spécifiquement dans un village qui s'appelle San Marco de Cavotti. C'était un village, et, on peut dire, où les Provençaux eu une importance très énorme au XIIIe siècle et puis il a continué à être c'était un endroit où il y avait énormément des sorcelleries des magies et pas trop loin du lieu où des martines avaient travaillé donc c'est j'en commence à entrer et dans un terrain un vrai terrain de recherche j'avais fait quand même un petit terrain des exploratoires, surtout avec, j'étais, je n'ai jamais écrit quelque chose parce que c'était les terrains de notre anthropologue qui m'avait, qui avait accepté de me voir sur son terrain, qui était en Zempleni, mais, et, mais donc, j'étais là vraiment à prendre un vrai terrain, c'était chez les Sénoufaux, et ça, c'était encore 86, 87, 86, 86, peut-être. Et, et où j'ai passé euh, plusieurs mois à vraiment apprendre avec un grand maître comme il pouvait être Andréa euh, une de faire vraiment un travail de recherche, mais je, parce que c'était son terrain, je n'ai jamais pensé en seconde de, 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 de publier quelque chose. Sur la, mais je pense qu'il euh, y a une petite. Euh, oui, je pense que ça, c'est. Euh, et ça avec euh, une euh, fantastique euh, euh, thérapeute. Ça, j'étais chez les Senufo, en Côte d'Ivoire, et à côté de à côté de Ok Et ça, c'est une des gris-gris qu'elle m'a donné pour me protéger et je les tienne et je l'emmène partout dans le monde avec moi. Donc ça, c'est, euh, je dirais, le seul moment où je découvre, qu'on peut dire, un vrai terrain, disons, ethnologique. Euh, on est dans une société africaine, on est dans une société euh, matrilinaire, on est dans une, euh, une société qui serait classique pour les études de l'anthropologie, mais j'ai compris que ce n'était pas mon terrain, dans le sens que j'avais besoin de, qu veut dire, de mettre ma marque, ma signature politique très forte sur mes terrains. Ça, c'était mon idée, et était toujours, toujours mon idée. Donc ça, c'était une grande expérience. J'ai appris beaucoup aussi en regardant comment Andras Ampléni et Peut dire, construisait son terrain. Mais j'avais en tête, comme De Martino, quand il dit Je suis entrée dans la maison comme une camarade, en regardant les autres camarades. Donc c'était, on veut dire, et signalait peut-être d'une façon romantique, parfois. Moi, bon, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas un côté, comme on peut dire, empédiologique et romantique, mais à signer, je dirais, ma signature, c'était toujours d'aller à chercher. Un terrain qui était à l'intérieur de l'Occident, mais marginalisé, et où il y avait une thématique qui était une thématique que je pouvais travailler politiquement. Et alors, qu'est-ce que je travaille comme terrain dans l'Essagne Alors, l'Essagne est un euh, environnement très particulier parce qu'il est à côté de Naples, presque à côté de Naples, 200 kilomètres, c'est rien dans une région montagneuse où il y a eu énormément de tremblements de terre, une émigration énorme, maximum 40-50% euh, des émigrations qu'il y a eu dans les années à partir du XXe du siècle jusqu'à les années 60, et il y a beaucoup de, euh, de des, des gens du San Marco de Cavotte qui ont émigré à Hamilton. Il y a une communauté de San Marco de Cavotte à Hamilton, énorme. et non. Mais donc, je vais dans ces villages et je voulais euh, travailler sur euh, euh, sur la possession, sur comment dire, continuer les travail des De Martino et voir comment dans cet euh, euh, lieu la possession 20 ans après, après l'émigration, après les tremblements de terre du 80 qui avaient détruit beaucoup de villages, comment elle pouvait être ritualisée, dans quelle façon. De... Donc c'était de m'inscrire dans les travaux de De Martino et, et voir quelque chose qui était à la limite encore entre anthropologie, anthropologie médicale, ethnopsychiatrie, mais avec l'optique, mais une optique plus politique. Et qu'est-ce que c'était l'optique plus politique pour moi Pour moi, c'était d'aller voir comment, dans euh, ces pays de l'immigration, des gens qui avaient quitté, de la jeune génération qui allait vers les villes et allait euh, faire son éducation dans les universités des villes, donc quitter les villages, et comment ces villages qui avaient eu une cohésion euh, très forte social aussi à travers certains rit, euh, rituels très importants. À côté de San Marco di Cavotte, il, euh, il y a encore euh, un lieu qui s'appelle Guardia San Framonti, où chaque sept ans, il y a les rituels de flagellation les plus importants, une des plus importantes dans le dans monde occidental. Et, et encore, il continue à exister. Donc, il y avait beaucoup, comme on veut dire, ces mondes encore euh, imbibés. Par toute une série de euh, rituels magiques, de, de euh, contaminations entre euh, éléments païens et éléments chrétiens, très très fortes, gérées parfois bien, parfois moins bien par euh, l'Église catholique, mais qui cherchait euh, d'avoir le contrôle. À, Saint, à Guardia San Framonti, elle participe évidemment ces rituels de flagellation, elle est là. Et elle est là, mais disons, elle fait partie de ces mondes, je dirais, un peu et, complexe dans l'Italie du Sud des années 80. Et moi, je me rappelle, et je l'ai dit dans mon livre, qui sera le livre euh, qui va être, euh, qui va être euh, publié après, qui s'appellera Itinéraire de Corpo et identité féminine nel le Campano. Donc, itinéraire des émotions, corps et identité féminine dans le Sannio Campano. Campano, c'est la, la, la région de Naples. Et Mais qu'est-ce qu'il y avait Est-ce que c'était vraiment mon intérêt sur la possession Est-ce que c'était vraiment un travail qui continuait à être un travail euh, proche à De Martino Non n'était plus proche de Demartino. C'était un travail où, comme on veut dire, la sensibilité politique de, de Martino était complètement là, la sensibilité politique de la lecture de Gramsci était là, mais il avait déjà Foucault dedans, et je dirais que euh, je cherche à comprendre comment, dans cette espèce d'éclatement de tous les liens, les liens de la communauté, euh, Qu'est-ce qu'elle pouvait être une identité féminine, commune et partagée, dans ces liens hum Comment dire Je dirais les liens de la. Euh, euh, vraiment, d'une espèce de, de dernière tremblement de terre au niveau social. Donc, les, les, il n'y avait pas d'hommes, pas beaucoup d'hommes. Les les, parfois, vous savez, dans l'immigration italienne, il y a eu toujours ça, que les, les hommes partaient il retrouvait une autre femme, et les femmes là-bas, en Italie, étaient abandonnées. Et parfois, cet abandon de cette femme, elle devenait un peu, comme on peut dire, la, la toile des fentes pour définir que la personne était, pouvait être une sorcière. Donc, un, un, je dirais, un, un monde qui était à la fois touché par la modernité, parce qu'il y avait quand même beaucoup de filles qui allaient à l'université, mais avec ce monde de féminine je dirais, très, très en transformation et sans comprendre qu ce que c'était encore cette transformation. Et, et là, j'ai compris une chose qui, après, a traversé toute ma démarche, euh, du, comme je a de des de euh, j'ai compris qu'en en, euh, en touchant Vraiment, d'une façon, on peut dire, euh, profonde de ma, de ma recherche, en touchant les corps et rendre les corps comme un corps politique en permanence, j'ai arrivé à comprendre beaucoup des transformations de la société. Et ça, c'était, je peux dire, que si je regarde toutes les, mes démarches, qui sembleraient aussi éparpillées euh, de mes sujets de recherche, il y a un sujet qui est là qui se transforme. Se transforme parce que la société est en train de se transformer. Donc moi cette première rencontre était une rencontre, je dirais, d'une ethnographie classique, presque j'étais dans un village, ethnologie disons, une démarche de terrain très classique, village, être là, vraiment mon, peut dire, je dirais mon exemple était Jean Sada. Et comment tu pouvais être comme elle approche et lointaine. Elle avait presque la même chose, la même di di distance de Paris au Bocca. J'étais presque la même distance pour moi de Naples. J'habitais Rome, mais disons, de Naples à Alsagne. Et je, je m'interroge beaucoup sur cette identité féminine et je cherche comment se transformer la possession ritualisée. Or, je dois faire un pas en arrière. En certains moments, quand j'étais et quand j'avais la bourse à l'Institut de psychologie, donc fin des années 60, début des années 70, j'étais dans une équipe de recherche pour aller voir je dirais les, un problème psychologique des enfants dans certains villages. Et on a touché les sagnos et on a touché un village qui était presque proche de San Marco de Cavote. Moi, je vais pas la relation, les liens, je l'ai fais après. Mais moi, je me rappelle que pendant que j'étais dans ce village, et c'était les mois d'août, en chaleur, j'ai assisté à une espèce de euh, possession, pas ritualisée. Possession Alors, il y avait une place, une femme s'est promenée. À un certain moment, cette femme a à avoir une crise. Des possessions. Et là, je vois, comme on veut dire, cette euh, femme toute seule. Et puis, il y a des gens qui commencent à sortir de les maisons. Ils sont en train de créer un espèce de cercle protectif. Ils sont là. Là, regarde-moi, je me rappelle, j'étais jeune et j'avais eu, comme on veut dire, presque un choc à hein, voir cette, cette. Je dirais, c'est. Scénario, euh, ces scènes qui étaient presque un film. Hmm J'avais l'impression, je me rappelle très bien la femme de cheveux encore, comme a été, et à et, et, ah, cette crise. Et qui bien sûr me rappelle les crises dans l'église de Galatine et, et en juin chaque année quand, que Desmartines a, a décrit, a filmé, a, a vu. Donc c'était euh, quelque chose qui m'avait très, très, très troublé. Donc je prends la décision. Ok, je vais voir comment s'est transformée la possession, comment, elle est, comment était celle de De Martino, comment était la possession que j'ai vue, et j'ai et, et, dans les années et, 70, et je m'en vais. Je m'en vais. Je cherche pendant un an la possession. Pas question. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé. C'était comme si la possession dans cette partie du village de l'Italie du Sud disparue. Alors j'ai trouvé ça très intéressant. Alors j'ai dit mais où il y a la résistance féminine Comment elle montre sa souffrance Et là, petit à petit, je découvre quelque chose qui est devenu quelque chose de très intéressant c'est que les femmes quand ils commence à avoir confiance en toi, quand tu commences à être perçu comme quelqu'un qui travaille avec eux, eux et ils commencent à parler. Et quand ils parlent de la souffrance, ils parlent parfois d'une souffrance où, tu, pour m'expliquer la douleur, tu commences à expliquer que les, que les organes bougent, que, euh, que s'ouvrent les liquides, que s'ouvre le sang. Et après, un année de ces récits, J'en commence à dire, mais ça c'est une possession verbalisée. Ça c'est quelque chose qui est exactement la possession, sauf enfermée, d'accord. C'est la narration de la possession. Et je suis capable en tant que femme de prendre la décision quand je sorte cette souffrance faite par une possession verbalisée et quand je la tiens à moi-même et jamais avec les hommes, toujours avec les femmes. Division énorme des tensions énormes entre femmes et hommes. Et là, je, je retrouve la, une autre forme de possession Et donc, mon, ma, euh, mon travail sera le travail sur une phénoménologie identitaire minimale du corps féminin. Hum? Alors, ça sera, comme dire dit, la caractéristique qui va travailler et qui va publier beaucoup de choses sur cette disons, possession verbalisée, je dirais. Donc, c'est quelque chose de très différent. C'est quelque chose qui m'a passionné, découvrir, et que j'en commence à réviser toutes mes notes de terrain d'une autre façon. Alors, mais regardez, c'est un acte politique aussi de regarder, de découvrir ce silence extérieur. Jamais plus la, la participation des vannes à l'église, des vannes à l'écart, silence. Enfermés, des corps enfermés, et puis quand il arrive à t'expliquer, quand tu fais partie du groupe, là on décrit. Mais je dirais qu'alors mon acte politique était cette phénoménologie identitaire féminine minimale. Hmm? Silence. Hmm? Et j'ai travaillé et j'ai publié beaucoup sur ce sujet. On était dans l'anthropologie.